Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Robert, I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Une chaleur pareille. Même au mois d'août. On va pour un début d'août, à peu de choses près. Le 31 juillet, c'est un peu comme le tout début d'août. Enfin, pas toi exactement. Mais lui, là, qui m'avait promis la gloire et l'Amérique. Tu verras, Lily, là-bas c'est plus grand. Oh, elle est à pu. Elle te ruisselle sur la peau comme du soleil liquide. À l'époque, Montmartre, c'était mon Broadway à moi. En attendant, c'était Pigalle. Et mais attention, je n'étais pas une pute. Non, faut pas confondre. J'ai été danseuse exotique. Et un pont en plus. Un cas de la classe. Un nom à mettre sur des grandes affiches. En grandes lettres capitales. Un nom en néon. J'ai fait du cinéma à Hollywood, moi, faut pas croire. Bon, voilà, crache, Chavalda. Du calme, madame, je vais pas vous faire peur. Ça va? Vous voulez peut-être pas me faire peur, mais c'est raté. Heureusement que j'ai le cœur solide. Tiens, en fait, il est à vous ce parapluie que j'ai trouvé là? Pas du tout. D'ailleurs, c'est bien étrange un parapluie par ici. Il pleut jamais dans le coin. Depuis, on est superstitieux. Pas de parapluie, pas de pluie. Et ça marche. Alors, voyez, là, du coup, vous agitez cet immense parapluie depuis un bon quart d'heure, et ben, vous allez nous porter la poisse. Parce que là, s'il pleut, vu comme c'est sec, on va tous être emportés par le flot, les maisons avec. Alors, sans vouloir vous commander, madame, jetez donc ce maudit parapluie. Au fond, vous avez raison, il nous porte malheur. Regardez-moi, il y a 40 ans, je n'avais pas sous la main. Du coup, j'ai été trempée comme une soupe. J'ai failli attraper la pneumonie. Vous, il vous a tiré le déluge? Je vais m'en débarrasser. Lily Cincinnati, enchantée. Charline Berg, enchantée aussi. Charline Berg, comme l'aviateur? Ben ouais. Mais un drôle de concours de circonstances, on n'est pas du tout de la même famille, rien à voir. C'est même au point que j'ai le mal de l'air. Vous voyez qu'on ne peut pas être plus éloigné de l'autre Lindbergh. Bon, alors, par contre, j'ai pas du tout de mal de mer. Mais remarquez, madame Cincinnati, c'est mieux. Je suis marin au long cours. Je veux pas dire que les marins ont pas de mal de mer, il y en a qui l'ont. Mais c'est pas confortable quand on navigue. Moi, rien. Un estomac d'acier, un équilibre de culbuto. Bon, d'ailleurs, je vais devoir vous laisser, il faut que je prépare mon paquetage. Je devrais plus tarder à appareiller, là, je suis juste en escale. Puis, dans tous les autres coins, d'ailleurs. Faut dire, en sablé durant 40 ans, on n'en fait pas beaucoup de voyages sur les sept mers. Ça devait être mon premier embarquement. C'est quand même pas de chance que la mer se tire la veille du départ. Attendez, vous avez jamais pris la mer? Ben non! Et vous voyez le drame pour un marin? Surtout un marin qui a pas le mal de mer? Taillé pour ce boulot, je suis! C'est sûr que vu sous cet angle. Allez! Oh, les cœurs, la marine! Vous avez raison, Charline Berg, de croire en votre bonne étoile. Après tout, moi, tel que vous me voyez, Lily Cincinnati, c'est mon étoile qui m'a amenée en Amérique. Je n'ai pas gagné au début. Enfin, j'ai trimé, Charles. Vous pouvez pas vous imaginer le cœur que j'ai mis à l'ouvrage. Des cours de comédie, de danse, de chant, des auditions, veux-tu, en voilà.
Merci, Lily. À vous aussi. Et puis, si un jour je vais en Amérique, j'irai voir vos films. Ça, c'est promis. Hé, Lily! Charles, vous n'allez pas me jouer la grande scène du trot, au moins. Les adieux, je les préfère sans rappel. Non, juste une question. Pourquoi vous êtes venu ici? Dans un vieux journal, j'ai vu une annonce. Casino dans grande ville développée, cherche meneuse de revue, expérience exigée. Il n'y avait plus rien pour moi en Amérique. Alors, pourquoi pas revenir par ici? Toute la compagnie vous remercie d'être là ce soir. C'était notre première et nous voudrions remercier toute l'équipe du Musée Maritime pour leur accueil et surtout, ils nous ont permis de créer 23 Impasses du Paradis et de pouvoir le présenter ici. Voilà. Donc, merci au Musée Maritime.